Le rêve d'être footballeur professionnel s'est brisé. On peut mettre ça de côté. Maintenant, je suis en prison. Il faut vivre dans la prison, il faut penser la prison et il faut habiter la prison. J'ai fait des essais, j'ai eu différentes opportunités, que ce soit au club d'Amiens à l'époque, ils étaient en Ligue 2. Après, je suis parti à Cesena en Serie B, je suis parti à Udinese en Serie A, je suis parti en Bosnie en première division, je suis parti en Angleterre, je suis parti taper à la porte de différents clubs comme Birmingham, Bolton et tout. West Ham, ça ne l'a pas fait. Finalement, je n'ai pas eu cette opportunité-là de pouvoir signer. En 2007, malheureusement, il y a Laramie Mousine qui sont percutés par une voiture de police. Bah, ils perdent la vie, tout simplement. Hein. Et du coup, le drame, il est arrivé là. Nos deux petits frères, ils sont décédés. C'est des petits frères du quartier qu'on aimait beaucoup. Et du coup, il y a eu ce qu'on appelle des révoltes. Et il y a des policiers qui se sont fait tirer dessus, des policiers qui se sont fait tabasser, une ville qui a été mise à feu et à sang. Tout ça, ça a été la violence à son summum. Mais dans cette vague d'interpellation, il y a un homme avec qui je ne m'entendais pas spécialement durant toute notre jeunesse, hein, quand on était dans différents conflits interquartiers à l'époque. Et du coup, tout simplement, ce mec-là, il a décidé de mettre moi et beaucoup d'autres personnes en cause. Et du coup, voilà, les policiers, ils sont venus chez moi, j'y étais pas. Il y avait mon frère, ils ont embarqué mon frère à ma place. Mon frère qui avait strictement rien à voir dans cette histoire. Dès que j'ai su ça, moi, je suis allé me rendre tout naturellement en disant, voilà, apparemment, je suis accusé de tentative de meurtre. Voilà, comment se fait-il? Je suis parti pour 24 heures de garde à vue. Au final, je me suis retrouvé avec 48 heures de garde à vue, 72 heures de garde à vue, 96 heures de garde à vue. Et j'ai clamé mon innocence dès le début. Ils ne me croyaient pas, ils ne m'écoutaient pas. Donc pour eux, ils avaient les coupables, pour eux, ils avaient les tireurs. Et c'était fini. On m'a mis en isolement médiatique. J'étais isolé de tous les détenus. J'arrive, c'est très très sombre, très vétuste, très insalubre, très dur. Il faisait froid, j'avais 20 ans. Je prétendais à ma petite carrière de footballeur professionnel. Donc tous ces sentiments-là s'entremêlaient. Je ne comprenais pas spécialement. Pourquoi est-ce que la justice, elle était aussi violente? J'avais pas le droit d'aller à l'école, j'avais pas le droit d'avoir une formation, j'avais pas le droit de côtoyer tout simplement d'autres détenus. J'avais une cour de promenade qui faisait 15 pas en longueur et 15 en largeur. Dans mon premier mois de détention, je me suis dit, ah ouais, en fait j'avais espoir de sortir très rapidement, mais j'ai vu les choses s'ajouter dans l'affaire, et au bout d'un mois, je me suis dit, c'est fini. Le rêve d'être footballeur professionnel s'est brisé. On peut mettre ça de côté. Maintenant, je suis en prison. Il faut vivre dans la prison, il faut penser la prison, et il faut habiter la prison. On a eu le réquisitoire du procureur qui lui a demandé 20 ans contre deux de mes co-accusés et 15 ans contre moi. Nous, nos familles, ont pris ça comme un enterrement vivant. C'est comme si on nous enterrait vivants. On a clamé notre innocence. Moi, dans ma tête, j'étais formaté à prendre une peine à deux chiffres. On m'a raconté, vous êtes acquitté de tous les faits qui nous sont reprochés, mais certaines affaires ont été requalifiées et on vous condamne à 3 ans pour port d'armes. J'ai dit, ok, d'accord, quoi qu'il en soit, j'ai fait 3 ans, quoi qu'il en soit, on me condamne, quoi qu'il en soit, je vais sortir dans les prochains jours. C'est la grande surprise, c'est la grande incompréhension, je ne vais même pas dire la fête, parce que c'était d'un côté des frères qui prennent des lourdes peines, 15 ans, 12 ans et 9 ans, et d'un côté je suis acquitté, et je suis condamné, mais on va dire en même temps acquitté parce que je sors. Donc voilà, c'était un sentiment très particulier. Et j'ai contenu ma joie.
comment est-ce que je peux revivre de ma petite passion, même si c'est pas avoir de l'argent comme un footballeur professionnel, mais comment est-ce que avec le billet du football, je peux trouver un emploi, je peux trouver un travail, je peux trouver tout simplement une stabilité. J'ai contacté un peu les clubs à gauche à droite, j'ai parlé de mon CV, et voilà, il y a un club qui m'a donné la chance. C'était un club de DH à l'époque, c'était Chantilly, et je me suis dit à un moment donné, c'est pas vraiment ce que je veux. Comme ça, je me suis lancé dans la politique à Sarcelles. Voilà, on va avancer dans la politique, on va essayer de défendre nos idées, nos valeurs. J'essaye de m'aligner avec moi-même. La plus grande difficulté pour l'être humain, c'est d'apprendre à se connaître. Et je savais pas où j'allais, je savais pas ce que je faisais. Hormis le football, c'était ça ma vie. Le football, ça a été brisé, mes rêves ont été brisés. Savoir qui je suis, savoir d'où je viens, savoir ce que je peux apporter au monde. Et la meilleure façon de pouvoir vivre pleinement ma vie et gagner ma vie avec ça, tout simplement. Avec l'information et l'inspiration, tu crées de grandes choses. C'est-à-dire, éduque-toi, émancipe-toi, comprends les choses, et après, fais ta vie, vis tes expériences, apprends, éduque et partage.